En Ukraine, le maire de Kharkiv a été grièvement blessé par balle ce lundi. Il circulait à vélo quand il s'est fait tirer dessus par des inconnus. Gennady Kernes, et son nom, est une personnalité pro-russe, clairement opposée aux nouvelles autorités de Kiev. Il a été opéré en urgence à l'hôpital et d'après les médecins, il se trouve dans un état grave. Le gouverneur de la province s'est exprimé peu après. Mykhailo Dobkin est candidat à la présidentielle anticipée du 25 mai pour le compte du Parti des régions, l'ancienne formation de Viktor Yanukovych. Nous ne voulons pas d'un pays où les élus se font tirer dessus, a-t-il dit. Nous ne voulons pas d'un pays où marcher dans la rue est dangereux. Nous ne voulons pas d'un pays où la violence gagne du terrain. Escalation, насилие, противостояние, все больше и больше. Toute la région de l'est de l'Ukraine est en proie à des tensions séparatistes. Dernier exemple en date, ce lundi à Konstantinivka, des militants pro-russes se sont emparés du commissariat de police et du siège de l'administration. Par ailleurs, l'équipe d'observateurs de l'OSCE est toujours retenue par des miliciens séparatistes à Slaviansk. Une réunion sur le sujet était prévue ce lundi à Vienne, en Autriche.